1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Avec des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Enfin, ça. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. Change. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer. Tant que t'es sous mon toit, c'est moi qui dicte les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix. J'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Oh, t'es humoriste, toi. J'essaye. À 25 ans, je quitte Bruxelles pour Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croivent trop, ils sont tout seuls. Ok, bah on va reprendre les bases, alors. C'est-à-dire? Bah, le français. Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Il y a personne comme moi dans le game. Tu crois qu'il viendra me voir un jour?